Alors donc je vous disais, ce champion hollandais, il a tout gagné sur Dead or Alive 5. C'est sans doute le meilleur joueur actuellement. Ça va être pas évident pour notre ami français. Après une défaite japonaise, est-ce qu'on va quand même gagner quelque chose ce vendredi au Stanfest? En tout cas, on te met pas du tout la pression, mais tous les espoirs du monde sont sur tes épaules. Voilà. Chaud contre Reagbar. Contre le hollandais, ça sera plus facile à prononcer. Shoraku, qui va devoir sauver le monde, sauver la face française, n'est-ce pas? Contre ce très bon joueur, évidemment, néerlandais, qui joue basse et ça fait vraiment plaisir. Ah là là, on va quand même se régaler parce que on va essayer de suivre ces phases avec des blocs stun positifs extrêmement importants dans la garde. Une chance sur deux derrière, entre un mid qui enchaînera sur un combo ou une chop qui enchaînera sur un combo. On va le voir souvent, je pense, 6-6 kick de basse dans cette grande finale en 3 gagnants, 3 matchs à gagner pour Izet la braquette. Vous êtes prêts? Ready? C'est parti pour cette finale. Oh, le costume sympa. Allez, c'est parti pour l'instant. La Kokoro ressortie par Shaw contre Reagbart. Voilà, avec le basse. Et là, voilà le 6-6 kick pour l'instant qui whiff. Le 1P qui est trouvé. Et il se fait punir immédiatement par Reagbar. Ça va être compliqué quand même. Il s'en sort bien chaud. Voilà. Évidemment. Et derrière avec le 1P. Et évidemment la décision à prendre derrière. Il cherche le all kick du côté. Encore ce 1P mais magnifique. Ce long qui met en stun. Ce coup complètement magique de basse. Mais évidemment joué par un très grand joueur. Parce que c'est pas évident que ça. Avec ses 6P. La shot qui est trouvée, attention à le kick gêné, bien joué de la part de Shaw, voilà qui s'en sort bien, qui cherche le lot pour l'instant. Shaw qui a une garde, il fait pas le deuxième évidemment, il prend le milieu, la place du deuxième lot, il va ramasser, attention masque quand même des shots, de la violence, il cherche le DTT, c'est pas passé, mais c'est pas grave, il trouve le bon contre et... L'OTG, ce coup en ground strike qui est trouvé... par Reagbar qui fait pas grand chose pour l'instant, mais il va trouver. Oh, le full launcher dans le mur, évidemment, avec la chop 3-6. Qu'est-ce que ça fait mal cette demi-part avec le décor et le combo derrière, enchaîné derrière le décor avec la chop spéciale. Il passe complètement de la porte de carrière, le gros truc qui passe et le flying machin truc ça qui passe. Ce garde kick qui passe complètement, ce drop kick à la gare. Bien joué. Est-ce que tu changes de perso? Change character. Counter pick tout de suite de Shaw qui a pas le temps. C'était magnifique ce troisième round. Alors, pour vous expliquer, le match a commencé. Hein. C'était pas button check. Donc maintenant, faut y aller. On encourage le français. On encourage Raku. Il a toutes les espoirs du monde. Pif des contres. Pif des ultras. Des super. Des ex. Tout ça. Voilà. Des cancels. Il n'y en a pas, mais c'est pas grave. Pif tout ce qu'on peut. Pour l'instant, le joueur hollandais, très très sûr de lui. La machine, n'est-ce pas? Voilà. J'ai entendu 3-0 en mode Barça-Bayern. On espère que ça va pas finir comme ça. Pour l'instant, c'est bloqué et puni. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Et là, il trouve la chope qui fait avec un petit demi-cercle là pour faire mal. Ça fait 80 de dégâts. En plus, avec le counter, ça a dû arracher la barre. Oh là 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 là, dans 74. Ah, bien joué, voilà, ce contre spécial, mais c'est pas grave. Il va tout Reagbar, il s'en fout. Oh là 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 là. Avec la chope derrière, c'est dans le mur. Oh, perfect. Le catcheur solitaire, hein, digne héritier dans ce joueur hollandais. Qu'est-ce qu'il joue bien? Qu'est-ce qu'il joue? Voilà, c'est bien joué. Punition du 6-kick. Voilà, ça s'est bloqué. Voilà, on trouve le loader. Aïe, encore le 1P qui passe tout de suite. Shaw qui tape. Il a raison, voilà, ça c'est dans le mur. En full jogging, aïe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais pourquoi tu manges derrière? Aïe, 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 aïe. Allez, Shaw qui joue bien. Shaw qui revient sur l'alpha. Attention au 1P, ça s'est bloqué. Le petit pressing, il varie. Le français qui est bien, le français qui est bien. Faut pas lâcher. Oh là, bah, c'est terminé. Et voilà, il avait pas grand chose à craindre à mettre ce 6-6 kick à ce moment-là. Il joue bien ce Thaïlandais. Voilà, le lot qui passe. Le 1P. Voilà. Et il met la chope en espérant un contre pour empêcher le dernier coup du full stun qui ne trouve pas. Oh, ça va faire très très mal. Oh, cette barre. Ce truc du mot que j'ai pas le droit de dire au micro. Et pour l'instant, ça passe.
Shaw qui revient. Mais pourquoi tu fais pas ça à tous les rounds? Ça a l'air craqué ce truc. Mais c'est vrai, c'est... Voilà. Et c'est parti pour la The Wrestler qui passe complètement pas. J'ai rien compris ce qui vient de se passer. Mais la shop qui est trouvée par Alpha. Voilà, contre-projection, attention à la combo Strong qui fait très mal. Fait le truc de tout à l'heure, le truc de tout à l'heure. Le combo qui passe pas. Ah là, c'est dans la garde, ça va être puni évidemment. Oh là 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 là. C'est en 3 matchs gagnants, c'est pas terminé. Allez. Allez, il se concentre, est-ce qu'il va encore y avoir un counter pick de la part du Français? C'est pas grave. Pour l'instant 2-0, c'est la machine hollandaise, Rehrbach, qui est tout à fait en imposition à tous les niveaux de jeu. Il y a eu un petit vol de rune sur une ultra sortie, je sais pas d'où, mais malheureusement il va falloir plus que ça pour mettre en difficulté notre ami hollandais. C'est une chope à 30 frames. Mais la chope à 30 frames! Voilà, pour l'instant ça se passe bien. Le Français qui a retrouvé des temps, un peu de vitalité grâce à la Cosmo Énergie de Pic d'Arche qui vient d'arriver dans son jarron. Oh, c'est bien joué! Oh, c'est très bien joué! C'est contre un téléport! C'est qui va énerver dans le mur! Voilà, c'est ça qu'on veut voir! Ça remet un peu d'ambiance dans ce match, on y croit presque. Il va peut-être pouvoir prendre deux rounds. Voilà le 1P qui passe, cette fois-ci avec le full follow-up derrière. Le plongeon de Flipper le Dauphin qui est complètement passé. Attention, ça c'est dans la garde avec le contrôle pour éviter le high. Voilà la Van Damme qui passe aussi. Voilà, il prend même pas les chops. Oh là 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 là. La barque a complètement volé. Allez, c'est pas terminé. Une chop à 30 frais. Voilà, 2-0. C'est ça qu'on veut voir. Cette chop du mal trouvée par le Français au bon moment. Choraku là qui joue bien. Encore avec ce 1P, 1P. Il faudrait les bloquer, c'est 1P. Le premier, il faudrait le bloquer. Oh là 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 là. Bien joué là, cette garde sur le 1P. Allez, Shaw qui cherche l'ouverture, qui cherche la chop à 30 frames. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. Allez, faut se reprendre. Aïe, aïe. Le contre trouvé du Hollandais. Et voilà, je vous l'avais dit, ce fameux 6-6-K dans la garde avec la chop. L'OH, le machin, tout ça qui passe derrière après le 6-6-K en bloc. C'est tellement cruel. Voilà le contre trouvé par l'Hollandais encore là-bas. Fais-lui le truc là de tout à l'heure qui fait mal tout ça. La chope à 30 frames et on en a besoin. On en a besoin. Mais ça passe pas. Et il mange la chope derrière. L'Hollandais qui revient. Balle de match. C'est le moment ou jamais de montrer ta violence. Chaud. Aïe 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 aïe. Il s'en sort bien, il s'en sort bien, il s'en sort bien là-dessus. C'est pas terminé. Le petit. Aïe, encore la phase et il varie avec un 3K. C'est bien joué, heureusement qu'il y a eu cette téléporte encore. Cette chope au H qui passe, la full combo. Ça va partir, ouf, c'est pas dans le mur. Bon, meurs pas sans un pi. Et victoire, sans discussion dans le Hollande avec Big Dash qui va venir remettre les lots. Big Dash qui va venir remettre les lots. Voilà. So...